Bonjour, voilà. Je m'appelle Cassandra, j'ai 27 ans, je suis danseuse professionnelle et je suis le professeur de danse de la madame qui est en train de filmer là. On y va. La vie a fait en sorte que je me suis sentie femme très 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 tôt. Je suis arrivée en France, j'avais 7 ans, République centrafricaine. Ma mère, je pense qu'elle voyait plus un avenir pour moi ici en Europe. Elle est comme moi, elle fonce, elle se pose pas de questions. C'est vraiment celle qui m'inspire, vraiment. La danse africaine, c'est une danse qui est riche. Il y a des histoires. C'est important pour moi que les jeunes filles se projettent avec cette danse-là. Tiki, 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 ouvre, tap, ouvre, tap, tap, tap. Tu vas rester en bas. Cha, 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 cha. Yes, musique. Ouais, top. Bonjour, je m'appelle Nayana et elle, c'est Lauriana. Et elle, c'est Yali. J'ai un CM1, je suis capverdienne et française. Même quand je mange, je me lève et après je danse. C'est une femme forte. Quand tu écoutes une musique et que tu te mets à bouger, même si t'es pas dans la musique, mais t'es sincère, ben en fait tu danses, c'est ça la danse. Quand j'étais petite, j'ai pas eu beaucoup d'exemples, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Mais au final, personne ne te connaît vraiment. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux. Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe en toi. Il n'y a que toi qui sais ce que tu aimes. Quand j'ai quelque chose en tête, tu peux rien. Je ne peux pas m'arrêter. J'y vais. Mon nom, Badgal Kassi, vient d'un danseur jamaïcain qui était juré lors d'une compétition de danse, qui m'a surnommée en fait Badgal Kassi parce que j'ai un côté un peu bad. Et du coup, depuis, j'ai gardé ce nom, Badgal Kassi. J'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais envie de crier autour de moi quelque chose, d'avoir une communauté, de dire ce que moi j'avais envie de dire et de faire des projets que moi j'avais envie de faire. C'est par rapport à mon histoire que j'ai eu tout de suite envie de travailler avec les jeunes filles. Je me dois en fait de les aider à repousser leurs propres limites. Je voudrais être danseuse comme elles et aider les gens dans des pays qui sont pauvres, qui n'ont pas assez de nourriture. Moi, je voudrais vraiment être comme ça. J'aime bien me challenger, j'aime bien quand je dois me battre. J'aime pas avoir tout comme ça, que j'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout. Bah, tu sais, j'ai quitté mon pays, je suis venue en Europe, donc je me suis aussi adaptée, j'ai deux cultures. La danse et moi, c'est vraiment quelque chose de très... Comment dire? Très fort, on a un lien. En fait, je m'enferme dans un monde, c'est mon monde idéal. Le conseil que je donnerais aux jeunes filles, n'attendez pas. N'attendez pas qu'on vous appelle. Faites ce que vous avez à faire. Et un jour, les gens verront. En fait, moi, Cassie, avant, je l'adorais vraiment, mais vraiment, comme maintenant. Elle m'a aidé à plein de choses, à progresser, alors qu'avant, j'étais vraiment pas comme ça. Maintenant, je suis comme je suis et voilà. On peut y revenir après. Pause, ouais, pause. Je veux pas que les petites filles aujourd'hui perdent confiance en elles parce qu'elles ont des cheveux bouclés, parce qu'elles savent pas parler, parce qu'elles ont des manières de se tenir. Non, ça c'est pas possible. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est le respect. C'est les détails qui vont faire que le monde va changer. On peut plus attendre que ce soit les médias qui changent les choses. Tout le monde doit changer les choses. À son échelle, c'est important. J'ai envie de les faire rêver et j'ai envie qu'ils se disent que rien n'est impossible et qu'ils peuvent le faire. On a tendance à nous mettre toujours dans des cases. Tu dois parler comme ça, tu dois te tenir comme ça, tu dois faire ça. Non. J'ai une grosse responsabilité vis-à-vis de ma communauté et de la nouvelle génération.
Thank you.